attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquets, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites « debout » d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Merci. Bien, c'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Joystick gauche pour se déplacer dans une direction. Joystick droit ou bas pour voler plus ou moins haut. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. C'est génial. Vous avez une bonne prise. Si seulement j'avais mon propre balai. Oui, voilà. Et penchez-vous. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord? Maintenir touche R2 pour aller plus vite et activer le vol en avant. Pour un défi plus relevé. Quelle vue! Bonjour! Belle journée pour voler! C'est plutôt amusant. Ah, le vieux hangar à bateaux. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Oh. Ça n'a pas été trop dur. Bravo ! Hé, je peux te parler ? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On s'est croisés dans la salle commune. Je suis Everett Clopton. Alors, tu veux venir t'amuser avec moi en altitude? Ça m'a l'air intéressant. On ne va pas... Madame Kogawa a l'air sévère. Je ne veux pas avoir d'ennui. Kogawa ne se rendra compte de rien. Et puis, un oiseau n'apprend pas à voler en restant au nid. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre.
vous contempler d'ici, n'est-ce pas? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf-Souffle donnent dessus. Mais je me sens un peu à l'étroit. Comment fait Everette pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Touchez le 2 pour une accélération lors d'un vol avant. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everette. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Touche cercle pour descendre de votre monture ou de votre balai. Descends ici. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Je ne regrette rien. J'aurais préféré ne pas avoir d'ennuis. Peut-être, mais on a eu des ennuis et Kogawa pourrait nous en vouloir. C'est pas de chance. Je pensais pas qu'elle nous verrait. Mais peu importe. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wicks chez Beauballet à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. La boutique Beauballet a ouvert ses portes à Préolard. En Italie, si j'avais les moyens de m'offrir le nouvel escarbille de chez Beauballet, je n'utiliserais pas ce vieux coucou. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Madame Kogawa, à propos de ce qu'il s'est passé... Le sujet est clos. Les points que vous avez coûtés à Serre d'Aigle devraient suffire à vous dissuader de vous livrer à de telles frasques. Le professeur Weasley m'a demandé de vous enseigner quelques sortilèges supplémentaires. Je vous enverrai bientôt un hibou. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions quand vous le souhaitez. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir aux potions Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix.
fois en cours d'histoire de la magie la dernière fois. J'ai buté sur tous les mots. Je crois bien que j'ai même... Oh, vous voulez me regarder m'entraîner ? Ça ne me dérangera pas. C'est pas tous les jours que j'ai un truc. Si j'essayais d'aller un peu plus vite... Expelliarmus ! Je viens me débrouiller. Action ! Levioso. Carte, Préolard. Coffre de collecte, les trois balais. Article de sport, beau balai. Article, touche croix. Une nouvelle tête. Revelio. Article de sport au balai. Bonjour, monsieur Weeks, c'est ça ? Albi Weeks, à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Je vais jeter un coup d'œil. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Vous avez dû fermer à cause des perturbations. Que pouvez-vous me dire sur les balais ? Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes commerciales ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais jeter... Merde, vous... Que pouvez-vous... Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol, par exemple, connus pour leurs manches en frêne de grande qualité. Les tresses d'if sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette d'if. Ensuite, vous avez le braise filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Je vais jeter un coup d'œil. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Article de sport au balai. 3548. Balai braise filante. Le balai de la maison Poudlard. Ce balai enchanté atteste de votre balai lunaire. Balai brise légère. Un balai tisseur d'if. Balai de la maison pour vendre objet. Par-dessus bleu cobalt ornementé. Ex ensemble élégant bleu sarcelle. Ex acheté. Balai lunaire. Ce balai en frêne est conçu pour une stabilité optimale. Balai de la maison Poudlard. Ce balai enchanté atteste de votre fierté d'appartenir à l'une des balais lunaires. Ce balai en frêne est conçu. Balai brise légère. Un balai élégant à la balai braise filante. Le balai idéal pour tous ceux qui ont un tempérament de feu. Coup, balai tisseur d'if. Ce balai confortable et rapide, a un style entrelacé unique. Coup. 600. Galion. Touche croix, balai de la maison Poudlard. Ce balai enchanté, balai braise filante. Le balai idéal pour tous ceux qui ont un tempérament de feu. Balai de la maison Poudlard, balai lunaire. Balai brise légère. Un balai élégant à la touche légère tirée assez littéralement. Coup. 600. Galion. Touche croix. Acheté. Balai lunaire. Balai de la maison Poudlard. Balai braise filante. Balai tisseur d'if. Ce balai confortable et rapide, a un style entre la balai tisseur d'if. Ce balai brise légère. Un balai élégant à la touche légère tirée assez littéralement. Coup. 600. Balai lunaire. Balai de la maison Poudlard. Ce balai enchanté atteste de votre fierté d'appartenir à l'une des maisons de Poudlard. Coup. 600. Galion. Touche croix. Acheté.
Balai brise légère. Un balai élégant à la touche légère tiré. Balai lunaire. Ce balai en frêne est conçu pour une stable. Balai tisseur d'if. Balai braise filante. Le balai. Balai brise légère. Un balai élégant à la touche légère tiré assez littéral. Balai lunaire. Balai de la maison poudre. Balai brise légère. Un balai élégant à la touche légère tiré assez littéralement. Coup. 600. Balai lunaire. Ce balai en frêne. Balai de la maison poudlard. Balai brise légère. Balai de la maison poudlard. Ce balai enchanté atteste. Balai lunaire. Ce balai en frêne est conçu pour une stabilité optimale. Coup. 600. Galion. Touche croix. Merci de votre visite. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Je peux essayer, Monsieur Wick. Comment est née cette passion pour les balais ? Pourquoi Madame Kogawa était votre professeur ? Pourquoi me demander à moi ? Comment je peux essayer ? C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Il est interdit de voler dans les airs après Olar et dans certaines autres zones. Cherchez l'icône de vol interdit près de la mini-carte pour savoir où et quand vous pouvez voler. On ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wicks.